Stéphanie de Monaco a de quoi être fière. Alors que la Fashion Week de Paris bat son plein dans la capitale, la princesse a assisté ce mardi au défilé de la marque Alter, lancé par sa fille, Pauline Ducruet, en 2018. Moins de 4 ans après la naissance de la griffe, cette dernière a pris de l'ampleur, au point de se voir représentée sur les podiums du plus grand événement de mode à Paris. Bien évidemment, la maman de la jeune styliste n'aurait manqué ça pour rien au monde, si est-il la raison pour laquelle Stéphanie de Monaco se trouvait au premier rang du défilé ce mardi, téléphone braqué sur les mannequins pour immortaliser le moment. Après le show, la princesse est allée retrouver Pauline Ducruet dans les coulisses, avant de l'éteindre fermement devant les photographes. Un moment mère-fille qui ne manquait pas d'émotion. Stéphanie de Monaco, le parcours mode de sa fille Pauline à 27 ans, Pauline Ducruet se retrouve donc à la tête d'Alter, dont elle présentait la collection automne-hiver 2022-2023 de ce mardi. Avant de se lancer en solo, la jeune femme a fait ses armes chez Louis Vuitton, Rabbi Kairouz ou encore Vogue Paris. Férue de mode depuis de nombreuses années, elle est diplômée de la Parsons School of Design, qui est l'une des plus prestigieuses universités de New York. Concernant sa marque, Alter, Pauline Ducruet explique, Alter n'existe pas pour se définir par le genre mais transcende l'individualité. Marque responsable, les sensibilités d'Alter célèbrent le respect, la tolérance, la liberté d'expression et l'amour.